Ne venez pas le temps que je relève les indices du crime. L'inspecteur Lincoln Rhyme était le meilleur expert de la police scientifique de New York. Avant qu'un accident ne mutile son corps et ne détruise son esprit. Cavalier en H6. Maintenant, un tueur sans pitié. T'as entendu parler de ce couple qui a pris un taxi et qui a disparu? Arrêtez, c'est pas sûr! Bah lui, on l'a retrouvé mort, enterré, les mains sortant de terre avec la bague en diamant de sa femme au bout d'un doigt. Et une femme policier. Voici l'agent Donahue, qu'il faut remercier d'avoir photographié l'épreuve décisive. Vont lui donner une raison de vivre. Je vous veux sur cette enquête avec nous. La médecine légale, c'est pas mon domaine. Vous jouez les modestes, vous êtes gêné pour faire un vrai boulot de flic. Il a besoin d'elle pour aller là où il ne peut aller. Donnez-moi la marche à suivre. Ne brouillez aucune empreinte de pas qu'il aurait pu laisser. Je ne peux pas faire ça. Si, vous pouvez. Je vous guiderai à chaque étape, pas à pas. Elle a besoin de lui pour interpréter les indices. Lincoln, j'ai trouvé une sorte de plan. Affichez vos preuves sur mon écran. La scène du crime a été trafiquée. Le suspect connaît nos méthodes scientifiques. Avant que la prochaine victime ne soit choisie. J'ai un mauvais pressentiment. Est-ce qu'on dirait pas un visage? Troisième pièce de ce puzzle. On la trouvera près ou dans le Woolworth Building. Il y a quelqu'un là-dedans. Rolfleur! Le suspect pourra encore être là-dedans. Je vous ai donné tellement d'indices et vous avez échoué. Le tueur est dans les parages. Il se moque de nous. Je veux le serrer, cette espèce de salopard. Certains gagnent, d'autres perdent. La partie est finie. Amelia? Mon Dieu.